serré, c'est le but. Très bien. Nous sommes ici présents pour la 42e fois de suite. Vous avez la chance de faire partie de la dernière. Non, la première, je rigole. Alors, je me présente Tino Valentino et j'ai la difficile mission de démarrer en première partie. Première partie, généralement, c'est les gens qui ont flingué avant. J'espère que vous êtes tous un buzzer, comme c'est de mode à la télévision, vous faire des croix dès que ça vous gonfle. Allez-y, croix devant. Alors, oui, bien vu, monsieur, très bien. Alors, juste pour sa connaissance, levez les doigts les gens originaires du Nord, s'il vous plaît, Nord de la France. Très bien, voilà. Ok, c'est là. Les gens originaires du Pas-de-Calais, s'il vous plaît. Ça se voit. C'est un genre différent, ça se voit. Les gens ni du Nord ni du Pas-de-Calais, c'est pas la salle à la salle, on s'en fout. Allez, on va démarrer tout de suite, n'est-ce pas? Vous savez ce qu'est un sosie, mesdames, messieurs? Un sosie, ça ressemble à une personnalité, quelqu'un qui ressemble à une personnalité très connue. Par exemple, on va prendre de monsieur. Monsieur, c'est le sosie de rien, parce qu'il ne ressemble à rien. Voilà. C'est très bien. Voilà. C'est toujours un au hasard. Hein. C'est toi, c'est en plus, tu as le look, Père Noël sur la barre, c'est bien. Donc, on va tout de suite accueillir le sosie d'Elvis Presley. Tout le monde connaît Elvis Presley? Super. Alors, applaudissements pour monsieur Elvis Presley en musique. C'est parti. Plus fort que moi. Maintenant, mesdames et messieurs, sur cette scène directe, le roi du rock'n'roll, Elvis Presley. And now, ladies and gentlemen, on stage live, the king of rock'n'roll, Elvis Presley. On peut l'applaudir plus fort que moi, monsieur Elvis Presley. Petite erreur de casting. On avait demandé Elvis Presley, et pas demandé un... Je m'en rappelle quelqu'un. Jean-Jacques Dessert. C'est inspiré, hein, c'est du vécu, ouais. Plus propre, ouais. Alors dis-moi, quel est ton métier, toi? Chasseur de gonzesses, avec des grosses top-top. D'accord. Ça, c'est pas un métier du tout, ça, c'est pas un métier, non. Tu as un vrai métier, j'imagine. Ouais. Ah, quel est ce métier? Chanteur. Ah, un chanteur de charme, j'imagine. Et tu chantes où ça? Star Academy. C'est vrai qu'ils finissent tous un peu comme ça, quoi. D'accord, ok. Et dis-moi, tu vas nous chanter une petite chanson. Dortide et Dexit. Oui, faut que je chante. Excusez-le, voilà, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas de la région, peut-être. Vous n'êtes du Pas-de-Calais, c'est ça? Hein? T'as des grosses notes. Non, on chante. Votre prénom, c'est madame? Sophie. On y va, Sophie. On y va. Alors, une chanson d'amour pour Sophie. C'est parti, en musique, un chanteur de charme. On y va. Allez, on y va. Musique. Mais je suis tout dis gros débelé qui te raconte au décacoule avec sa nez qui coule tout un sgrattant sperme. Mais j'ai pas changé tout dit à vachy d'un canapé avec marron déboutonné mais vieille patou. Avoir un choc à la télé et les petits non plus te n'a pas changé. Tout dit la glaine que j'ai ravissée, les mêmes tototes bien tétos maguettes, Aster un guiro, un père de corps toilette. Autour ta vatte, ta vie bouée, au moins c'est sûr, te va pas noyer.
coquillage. Demande ta Sophie. Mais non, non. Écoutez, on peut l'applaudir d'un fort, c'est Monsieur Jeanrin. Il va rejoindre ses amis derrière le bar. Et voilà, ici, hein. On y va. Salut tout le monde. On y va. Alors Jean, on va faire ensemble une expérience. Tu sais que je suis ventriloque, il paraît, et il me manque une marionnette aujourd'hui. Ouais, tu vas faire la marionnette, voilà, voilà. Alors en fait, tu vas pas parler, c'est moi qui te fais parler, d'accord, c'est le but de ventriloque, enfin, tu vas juste bouger ton corps, ça va être dur, et... parce que tu peux bouger encore, et avec tes bras surtout, hein, tu es acteur. Alors on y va, tu t'avances un petit peu, d'accord, pour que tout le monde puisse bien te voir. Et je vais te mettre un truc sympa, tu vois, ça fait pas mal du tout, t'en vois la con, c'est pas le but, bah non, t'en vois. Sergent, est-ce que tout va bien? Enfin, Jean? As-tu un métier? Chasseur de gondelles. Un métier, ça, non, ton vrai métier? RTT. Heureux d'être ici aujourd'hui. Rien à secouer. D'accord, très bien. Est-ce que tu aimes ta femme? Tu peux nous montrer du doigt où se trouve ta femme? C'est le temps qui est là-bas. Bon, ouais, c'est pas vrai, on rigole, on rigole, on rigole. Dis-moi Jean, ta femme a un métier? Restauratrice. Ah, madame la restauratrice, où ça? À Fretin. Ah, je savais pas. Et le restaurant s'appelle comment? À la Noule Joyeuse. C'est classe, madame. Hein. Et ta femme? Elle est bonasse. Oui, très bonne chanson. Alors, une chanson d'amour, en fait, tu vas chanter une chanson d'amour pour... Les gonzesses. Alors on y va avec les bras, Jean, vas-y, avec les bras. Tu peux envoyer la musique, une chanson d'amour. Vas-y, musique. On y va. Le mot de la fin, mon cher Jean.